Salut, j'espère que tu vas bien. Merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Oli qui est en train de se préparer. Deux petites autorisations, donc une qu'on a déjà commencé là-bas en fait, commencé l'intro un petit peu après. Donc c'était un champ qui était un champ déchaumé. Et puis bah, ici, on a un champ qui devait être déchaumé mais qui ne l'est pas, qui fait plus ou moins 13 hectares. Donc c'est quand même assez sympa. La paille est assez courte. Donc c'est pas encore trop grave, on perd pas trop en profondeur, j'ai envie de dire. La météo, bah pour l'instant il fait sec, hein, il pleut pas. On a eu une grosse drache là. Voilà, on va directement voir ça. Allez, c'est parti. Alors c'est assez haut, mais pas des plus stables. Ah si, 20. Ah bah ben voilà. Il est temps que j'en fasse un quand même. Hein. Alors première monnaie pour lui aussi, donc premier trou. Ah oh, putain ouais. Ah bah ben, bien épaisse en plus hein, celle-là. Donc ça elle vieillisse pas encore trop mal je trouve par rapport à d'autres. Ah, par rapport aux euros par exemple. Alors un petit son à 16-17, mais je ne suis pas sûr, pas sûr qu'il soit intéressant. Alors soit il y a un fer à côté. Ok, il n'y a pas de fer à côté. Alors, sorti. Et voilà. Oh putain. Allez, une petite blanche. Ouais. Ben ça fait longtemps, je n'ai pas fait. Alors je sais pas si c'est de l'argent ou du bilon. Et toi, je suis passé en champ 1 et il passait hyper bien quoi. Mais l'arrière, il est mort. Hein. C'est 300 luxembourgeois. Ouais. Je pense. Commence bien. Ah. Ça fait longtemps. Ça c'est le retour de mes chaussures blanches. Ça. Voilà. Ouais, à fond quoi. Ah oui tiens. C'est le morceau d'un jouet ou... Non. Peut-être. Ouais. Sympa. Alors j'ai sorti un son qui est plutôt bizarre. Qui ne sonne plus trop on dirait. Vraiment un drôle de terrain. Ouais, il y a tout qui sonne, c'est un problème. Il y a tout qui sonne, c'est un problème. Ah. C'est un peu plus fort ça ici. Ah putain ouais. Scheisse. Ah gros ça. Mais j'ai eu un gros bazar aussi, il est dégueu. Alors juste ici, dans cette partie de près, là j'ai un petit... Ouais, je sais pas trop, 18-24, donc ça varie quand même assez fort. Une petite douille. Alors ça c'est un son qui, je sais pas trop, ça me parle d'un côté, mais d'un côté ça me sent un petit peu trop fort. Ah, ces fameux clous anti-tempête, qui à chaque fois nous font croire que c'est une monnaie, parce que quand on l'a comme ça dans la terre, on dirait vraiment une monnaie. Et voilà, hop, c'est un clou anti-tempête en fait. Voilà, c'est du cuivre, donc ça sonne bien évidemment. Alors regardez ici, un petit 20-22, assez stable. 10 cm donc hop. Ah bah voilà, tac. Une jolie cloche. Ah trop bien. Ah bah c'est la première fois que je fais une cloche tiens. Celle-là à mon avis elle ne fonctionnera plus. Non, elle est vide. Talap. Cool. Bam. Je crois que c'est un pieu en fait pour les vampires. Tout dans le genre, non? Allez. Bon, là il commence à bien pleuvoir, donc à mon avis. Je vais aller rejoindre Oli, qui est déjà parti se mettre un petit peu à l'abri, je pense. Le temps que ça passe un peu. Parce que ça devient quand même difficile avec la pluie. Alors ça me dérange pas trop, hein, mais bon, j'ai quand même envie d'être sec. Là, ça tombe vraiment bien. Hein. Oli, il persiste.
Ça va? Bon, alors pour l'instant, on est toujours un petit peu rincé là. Ça tombe encore. Alors, on va un petit peu encore chipoter dans le champ qu'on a commencé ici où j'ai fait la blanche. Et si vraiment on voit qu'il n'y a plus beaucoup de son, parce que vraiment il n'y aura pas grand chose. Et en plus de ça, on a vu qu'à l'entrée du champ il y avait quelques ferreux qui traînaient. Donc à mon avis, je pense que quelqu'un est déjà passé un petit peu avant. Et voilà, il a laissé ses crasses sur le côté du champ. Donc il y a un second champ qui fait plus ou moins 13 hectares, un tout petit peu plus loin, même pas à 2 minutes. Donc on va aller voir un peu aussi ce que ça va donner par là-bas. Alors de retour dans le champ, il ne peut plus. Et là, un petit son à 17-18. Allez, 15 cm. Ben c'est ça. Ah. Gros morceau de conserve. Oli a fait une super trouvaille. Un joli bouchon avec un dé dessus. Comme crise détection. Alors là, j'avais un petit son. Partiellement couvert en fait. Vous voyez, ça sonne très très mal. C'est un peu comme si j'avais du masquage. Je vais essayer. Hop. Vous voyez la différence? Ouais. Je dis ça parce que regardez ce qui est là. Hop, juste ici. Allez, je sais pas si vous voyez bien. Petite monnaie qui sonne vraiment. Oh, elle est bien épaisse, tiens. Oula, ça a l'air très sympathique ça. Un petit bout de patine vert là. Il y a des sons vraiment partout. D'ailleurs, regardez, quand je prends mon pointeur, je peux le mettre n'importe où. Voilà, ça sonne. Et donc, ça masque une grosse partie des cibles si ça se trouve en fait, sans le savoir. Donc, pour l'instant, je vais rester, je pense, en champ 2 parce qu'il va utiliser plus les hautes fréquences que les basses fréquences. Donc, on va continuer comme ça, on verra bien. Allez, lancez un morceau de lampe à pétrole. Voilà, il va se faire un petit robinet et moi j'ai l'ancien socle supérieur en fait des lampes à huile ou lampes à pétrole. Voilà, qui est complètement replié ici. Normalement il y a une petite vitre qui vient ici qui est posée dessus. Là, c'est une partie. Alors là j'ai un petit son à 15-16 et fait quasi en surface. Donc on va juste retirer hop, une petite couche comme ça. Alors là c'est ici dedans. Ah génial. Ah quand même. Petite boucle. Toute belle. Toute belle boucle. Regardez là. Hop. Oh magnifique. Juste posé. Je sais pas s'il y a quelque chose dessus. Capillaire. Hein. Ah, c'est tellement cool quand c'est comme ça par terre. Alors, ça sonnait bien, hein, regardez. Ça, c'est une cuillère. Hop. Jolie cuillère. De quoi manger la soupe. Alors je suis désolé pour le vent. Ah joli ça. Petite agrafe de colle. Très sympa. Et les petits gars, regardez, je crois que j'ai atteint les 2000 abonnés. 2K. Merci à tous. On refait quelques petites points 50 là. Un deuxième. Alors je pense qu'ici j'ai fait une petite boucle, regardez. Ouais. Tac. Yes, petite boucle. Et ça, je me demande si c'est pas une boucle militaire. Je pense. Ça quoi? Ah ça top hein. Ah ouais. Oh tiens, c'est sympa ça, et elle est bien. Ouais. Jamais fait tiens ça. Une fois mais elle était vraiment défoncée. Ah ouais? Ouais. Bah ouais, c'est pas vieux mais.
Alors j'avais ici un petit son, pas très haut, hein, un petit 11-12. C'est vraiment petit à mon avis, ça. Une toute petite crasse. Oh non, regardez. Ah, ça c'est bien, ça commence très bien. Enfin, ça commence. Yes! Et voilà qu'on arrive. Donc en fait, on a changé d'endroit ici. Hein. Alors, juste ici, je viens de faire un petit. Ouais, hein. Là j'ai fait un jeu de couvercle en laiton, je crois. Ouais, ça va être du laiton. Bien pris. Détails dessus. Non. Alors un son pareil, c'est sûrement une grosse crasse parce que c'est soit ça, soit un très gros élément en argent. Je me souviens, la médaille que j'ai fait en argent, elle sonnait plus ou moins comme ça. Enfin, toute grosse de 75 grammes, mais là à mon avis ici, c'est pas ça. C'est juste ça. Bah à mon avis, ouais, une pièce agricole. Hop, alors juste ici, je viens de sortir ce petit module. Oh bah c'est juste une petite attache. Ah, je me demande si ce n'est pas une petite clé de montre à gousset. Non, pas quoi que. À mon avis, si. C'est une clé de montre à gousset, je crois. Non, pas sûr. Non, peut-être pas en fait. Je sais pas. Ça sonnait bien. Ah ouais. Maintenant, surface, ça. Ouais, bien fait. Alors, je viens de sortir un petit 16 ici, tranquille, par là. Ah. Et ouais, encore une fois, je me fais avoir. Hein. Par ces petits trucs comme ça en alu, horrible. Quand on voit ça dans la terre comme ça, yeah, ça sent la blanche, mais non. Allez. Ah, regardez, une petite cuillère. Tac. En cuivre. Alors là, c'est. Ça varie entre 20 et 28. Ok, c'est ce gros morceau de plomb. Ça, c'est un genre de truc qui sonne toujours super bien, le plomb. En plus de tout cet aluminium, je sais pas si vous verrez sur la caméra, mon sac est rempli, vraiment rempli d'alu. Bon, et ben voilà, je vais clôturer cette petite sortie avec Oli. Donc là, il commence à pleuvoir, enfin il pleut un peu depuis tantôt déjà. Donc voilà, ça a été quand même une bonne journée, on a fait quand même de bonnes trouvailles, on a fait plusieurs terrains. Dans des coins dans lesquels on n'avait pas encore été. Et voilà, c'est plutôt positif, donc on est tous les deux contents. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu si c'est le cas. Et je te dis à très bientôt. Ciao.